la musique angoissante que nous avons choisie spécialement pour vous. prenez un moment pour vous détendre et appréciez chaque note. nous sommes ravis de partager ce moment musical avec vous. merci d'être avec nous. vous êtes avec nous. aujourd'hui, c'est un webinaire un vendredi avec de bonnes nouvelles, avec de bons invités. c'est moi, fiodor. faut-il vraiment le présenter je ne sais pas. mais certainement. tout le monde le connaît déjà, bien sûr. Notre merveilleux et très important partenaire international de la société Solar Group s'est déployé dans tous les pays. Je représentais les intérêts à la fois de l'entreprise et de la société technologique, le projet que nous avons développé. Andrei Lobov, avez-vous vu les vidéos Vous ne les avez pas vues Andrei, salut tout le monde. Bonjour ami, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui à Moscou avec des visages familiers car j'ai passé un mois en Chine. Vous m'avez tellement manqué. Je ne peux tout simplement pas résister à l'envie de vous embrasser tous. Oui les amis, vous avez déjà vu la vidéo en Chine où Andrei Lobov était avec une mission pour un projet... J'ai déjà parlé de la mission concernant le projet avec des moteurs électriques et voilà que Sergei Semenov a lancé de manière inattendue le projet de dirigeable et il s'est avéré qu'Andrei Lobov avait déjà trouvé des personnes à inviter. Il a rendu visite à une entreprise privée qui s'occupait de dirigeables. Aujourd'hui, nous allons en parler. André racontera en détail ce qu'il a vu là-bas et ce dont ils ont exactement et précisément convenu. J'ai vu beaucoup de choses là-bas. Vous pouvez maintenant voir les images à l'écran C'est lui avec le directeur. André, qui est ce gars Oui, c'est le directeur lui-même, en fait, le créateur de dirigeables. Cette personne qui s'intéresse à ce sujet depuis de très nombreuses années essaie avec beaucoup de détermination, persévérance et beaucoup de patience de faire voler son propre dirigeable. Oui, nous en parlerons aujourd'hui. En Chine, il n'y a pas qu'une seule entreprise. Andrei Lobov racontera tout. Il a mené une enquête d'espionnage industriel, du renseignement technique. Oui, et vous avez également pu le voir. Aujourd'hui, nous avons certainement Pavel Philippov avec Ivan d'Allemagne et Gilles Weber. Avec nos partenaires nationaux dans la ville de Friedrichshafen. Ils ont pris leur envol aujourd'hui en dirigeable. Ils se trouvent actuellement maintenant dans le musée près de l'endroit où ils ont volé ils se déplacent dans les salles. De l'ancien dirigeable du comte Zeppelin, celui-là même qui a effectué une centaine de vols sans accident entre l'Europe et l'Amérique avant d'être malheureusement brûlé à la fin. Mais en général, ils sont là maintenant, et prêts, pour une connexion en direct pour partager leurs émotions sur ce qu'ils ont vécu à bord des dirigeables et ce qu'ils ont vu au musée, ils cherchent un endroit et nous espérons qu'ils diffuseront directement depuis le compte Zeppelin. Nous écouterons, mais vous avez déjà pu voir les petits cercles, je les ai aussi vus. Le dirigeable a encore l'air impressionnant. Je me souviens de notre voyage en Allemagne il y a trois ans où nous avons volé à bord du dirigeable. Les sensations étaient indescriptibles. Aujourd'hui, nous avons à peu près calculé, en tenant compte des nouveaux prix, combien ces deux dirigeables gagnent finalement. Et il s'avère que c'est plusieurs millions par mois, environ 2 millions de dollars, avec l'exploitation d'un seul appareil. Ils en ont deux et c'est du tourisme. Et ce ne sont pas vraiment si grands, ni si économiques, ni si modernes. En résumé, Pavel est allé là-bas et s'est une fois de plus rendu compte que tout est cher et luxueux, que leur entreprise prospère, ce qui signifie que cela ira encore mieux pour nous. Exactement, nous allons certainement faire mieux. Oui d'ailleurs, pendant que nous attendons Pacha, les Chinois veulent aussi faire du tourisme. Oui voilà mes amis, ce qui est le plus intéressant, c'est que j'ai beaucoup appris sur les dirigeables. Bien sûr, je veux raconter cela en détail, mais aurons-nous assez de temps pour cela Voici la ville de Xi'an situé dans la province du Shaanxi, c'est une province, pour que vous compreniez bien, où se trouve bien l'armée de terre cuite. C'est un musée colossal où ils ont découvert ces troupes en argile, ou là. En gros, quel est le sens Il y a le tourisme. Quand on m'a donné des chiffres sur le tourisme, je ne pourrais même pas les répéter maintenant. Les chiffres des revenus du tourisme en Chine à ce jour ne sont comparables qu'au tourisme mondial, et c'est en effet leur entreprise intérieure de manière significative. Et bien sûr, les dirigeables sont ciblés, en particulier cette entreprise avec laquelle j'ai été, que j'ai très sérieusement, étroitement et personnellement connue. Elle vise à développer le secteur du tourisme, et là, j'ai appris un sujet. En ce moment, l'entreprise est en train de passer la certification. Ou plutôt, elle a déjà passé la certification. Il ne reste plus qu'à obtenir le document. Il reste à le payer, c'est-à-dire qu'un travail colossal a été accompli. Il faut racheter ce document, le certificat pour le droit de construire des dirigeables. Pourquoi sont-ils axés sur le tourisme Ils m'ont donné des chiffres. Ils n'ont absolument pas de concurrents. Ils peuvent fixer n'importe quel prix pour le voyage, pour le vol en dirigeable, c'est-à-dire pour l'aérostation sur cet appareil magnifique, et ce prix sera toujours demandé. C'est-à-dire, n'importe quel prix sera demandé, on peut fixer le prix autant qu'on le souhaite qu'on veut, et c'est sur cela qu'ils veulent certainement construire leur entreprise. Ils ne souhaitent pas voler au-dessus d'environ 300 mètres. C'est-à-dire que c'est la plage de vol où les quadricoptères peuvent voler. Cela signifie qu'un dirigeable peut être acheté par n'importe quel particulier et voler à une altitude ne dépassant pas 300 mètres. Les documents pour obtenir un tel dirigeable sont comparables à l'achat d'une voiture, c'est-à-dire que vous avez un permis de conduire pour dirigeable, ce qui n'est pas difficile à obtenir, tout comme les pilotes obtiennent leur licence. Vous pouvez également obtenir un permis pour le dirigeable et voler. J'ai pensé que cette information est extrêmement intéressante pour nous, car beaucoup de gens ne comprennent pas où les dirigeables peuvent être utilisés. Eh bien, les gars, la zone la plus basse, à 300 mètres, c'est le tourisme. Et ce tourisme rapporte des milliards. Voici comment ça se passe en Chine en ce moment. Ils ne font que planifier. Ils ont un plan quinquennal. Je peux en parler longtemps. Je comprends. Pavel dit que nous sommes justement des touristes en ce moment. Allons-y, nous sommes prêts. Écoutons Pavel un moment, puis je continuerai. Connecte-toi, s'il te plaît, c'est important. Alors, vous m'entendez M'entendez-vous Me voyez-vous Donc, on t'entend bien On te voit Tout va bien. Je suis heureux d'être ici aujourd'hui pour votre émission en direct. Comme vous pouvez le voir, nous sommes dans des conditions de campagne. En ce moment, nous sommes actuellement au musée de la construction de dirigeables, au musée Sibellino. Mais le plus important, c'est qu'aujourd'hui, moi, personnellement, j'ai fait un tour pour la première fois dans un véritable dirigeable. Comme l'a déjà dit Fyodor, nous sommes actuellement en Allemagne, dans la ville d'Hybridi, à Iskavka. Même le nom de la ville, j'en ai parlé, et c'est ici, probablement, l'une de ces villes où les dirigeables ne se contentent pas d'exister, mais sont très activement exploités. Et nous en avons été convaincus aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons fait un tour sur l'un de ces vols. D'ailleurs, ce n'est pas si simple. Il n'est pas facile d'acheter un billet. Même pour une destination touristique qui semble aussi banale, elle est très rentable sur le plan commercial. Il y a beaucoup de vols, ils partent en continu, et en l'espace de quelques semaines, nous avons acheté un billet qui n'était pas bon marché. Malgré cela, les gens continuent d'affluer, et c'est plein, plein, plein. Cela démontre que les gens aiment vraiment, absolument, au moins cela, ce que je voudrais vraiment dire. Bien sûr. Un vol en dirigeable est vraiment quelque chose d'incroyable. Ce n'est absolument pas un avion avec ses surcharges. Ce n'est absolument pas un ballon qui est incontrôlable. C'est quelque chose d'intermédiaire. C'est un moyen de transport distinct qui a les avantages à la fois du dirigeable et de l'avion. Les avantages en ce qui concerne le secteur touristique sont bien évidents. Car en avion, tu ne peux pas voler et admirer les paysages. Regardez tout cela, car il vole très vite avec de petites fenêtres. Ici, les fenêtres sont ouvertes. Tu voles à une vitesse de 120 km/h, ce qui est d'ailleurs assez rapide. Tu peux survoler une grande superficie, ce que tu ne feras jamais avec votre ballon. Et en plus, tu as très peu d'espace nécessaire pour le décollage. À l'intérieur, comment te sens-tu Eh bien, comme nous le disons maintenant, l'un des premiers dirigeables que nous allons réaliser est un yacht volant. Il est clair que ces dirigeables ici ne sont pas du tout ce que nous allons faire. Mais même dans ce dirigeable, il y a déjà des technologies obsolètes, car ces dirigeables ont été fabriqués dans les années 90. C'est tout de même un véritable yacht volant. On comprend pourquoi c'est ainsi appelé, car c'est confortable, on se sent en sécurité, on ressent de la légèreté, sans aucune surcharge. Et c'est bien sûr tout de même... Surtout quand on pense que c'est la solution la plus simple, les grenouilles. On commence à réfléchir, peut-être. Et après cela, nous sommes ensuite allés directement au musée. Et, et ici, bien sûr, on nous a montré encore une fois ce qui était possible, ce qui se passait dans les années 30, ainsi qu'au début du XXe siècle. Et on peut également bien imaginer ce qui peut être fait aujourd'hui dans le cadre des technologies modernes. Et nous sommes dans le musée. Ici, on peut filmer. Nous allons essayer. Je vais vous montrer quelque chose de très intéressant. Tout, je vais faire une interview avec nos partenaires en commençant par Ivan Mujbar qui a volé en dirigeable aujourd'hui. Ivan, partagez vos impressions. Je salue tout le monde, chers amis. Mes impressions sur ce que j'ai vécu aujourd'hui sont absolument et tout simplement vraiment grandioses. Aujourd'hui, nous avons certainement vu le monde d'un point de vue aérien. Nous avons examiné en détail l'histoire de cette belle et fascinante entreprise et du développement des vaisseaux volants. C'est tout simplement quelque chose, comme on dit, du domaine de la science-fiction. Mais dans le passé, aujourd'hui, nous l'attendons à nouveau. Je suis vraiment heureux. Oui, d'ailleurs, savez-vous comment il y avait un certain contre-argument chez les détracteurs, disons que les dirigeables n'existent plus. Et ainsi de suite, et tu arrives ici et tu comprends que non, ils volent, ils sont ici activement exploités, tout simplement, comme toujours, certaines personnes sont capables de construire un dirigeable, de construire un avion, de créer une voiture géniale, tandis que d'autres ne le peuvent pas. Voici l'Allemagne, elle est un fait, elle a toujours été forte dans l'industrie, forte technologiquement. Et nous savons beaucoup de bonnes choses sur l'Allemagne, que ce soit le transport automobile ou la technologie. Mais en particulier, la construction de dirigeables ici n'est pas morte non plus, non. Oui, cela a aussi ralenti à un moment donné, mais maintenant, cela se développe activement. D'ailleurs, nous avons filmé beaucoup de matériel. Approchons-nous. Nous sommes justement ici, au musée. Et nous venons d'apprendre des informations sur la façon dont ce sujet a été initialement abordé. Et le plus drôle, comme cela nous arrive récemment dans nos projets, c'est que nous essayons de donner vie à nos idées. Et les gens commencent tous à dire que cela ne fonctionnera pas, que vous inventez beaucoup. Ainsi, Graf Zippelen, à son époque, a également essayé de concrétiser l'idée, tout comme nous le faisons aujourd'hui. En effet, en réalité, et il lui a fallu environ huit ans pour concrétiser cette idée avant que le premier vaisseau ne s'élève du sol. Depuis ce moment, il a été moqué à tous les niveaux, d'un simple homme au Kaiser lui-même, qui était le chef suprême de l'Empire allemand. Mais quand le premier vaisseau s'est élevé, nous avons une situation tout aussi similaire, car cela a marqué le début d'une nouvelle ère. Ainsi, la renaissance de quelque chose de blanc, de rouge, en quelque chose de nouveau, avec un nouveau regard, commence aujourd'hui ici, avec nous. Je pense que quand quelque chose lui est arrivé, oui, qu'est-ce qui nous est arrivé Nous avions un Allemand, donc je n'ai pas tout compris. Il y avait aussi quelque chose où vous contribuiez, les gens aidaient. Oui, il y avait un pareil. Oui, d'ailleurs, à ce sujet, tu as raison. Le crowd-besting. Il y a eu un moment comme ça, Graf Zipelen a organisé un grand navire et voulait faire. Un voyage, non pas en couleur, mais autour de l'Allemagne. Il voyageait avec Friday à Fran, à Odense. Il est à peur, je ne sais pas pourquoi. Il a roulé un peu et s'est arrêté quelque part près de Stuttgart, parce qu'il a un problème avec son moteur ou quelque chose comme ça. Il a atterri au-dessus de la forêt, a attaché son vaisseau aux arbres et est allé chercher des pièces de rechange. Je suis allé chez Daimler-Benz, qui se trouve justement dans cette région, et à ce moment-là, alors qu'il était à la recherche de pièces de rechange, une rafale de vent fort s'est produite, et une très forte rafale de vent a fait tanguer le navire, et l'a heurté contre des arbres. Une panne s'est produite, et tout le navire a pris feu, et il a brûlé, juste sous les yeux de tous, des armées, des personnes qui sont sur place, et devant les yeux de sa famille entière, certaines... Et à ce moment-là, à ce moment précis, toute sa fortune, tout ce qu'il avait laborieusement investi dans ce développement a brûlé. Ainsi, les personnes présentes à cet endroit, particulièrement, ont commencé à contribuer financièrement et activement et généreusement à la restauration complète de ce navire. Et dans toute la Prusse, ils ont rassemblé, autant que je me souvienne, 6 millions de Reichsmark. À ce jour, le recalcul s'élevait à 40 millions d'euros. Sur cette base, il a construit. Le premier. Oui, sur cette base, il a construit un navire nommé Zeppelin et a commencé à produire ce vaisseau. Ivan, un grand merci pour ce pari, très intéressant et historique. Qui a captivé notre attention et suscité de nombreuses discussions passionnantes parmi nous tous. Nous essaierons de tout filmer ici au musée, nous ferons beaucoup de matériel pour vous, y compris sur les vols, sur tout ce qui s'est passé. Nous pourrions même sortir quelques vidéos, tout cela sera fait. Je veux passer à un point intéressant. Tout d'abord, notez que Gillinus, Barbara et Marca sont aussi nos partenaires. Tout le monde les connaît. Mais nous ne prendrons probablement pas d'interview, ils ne parlent pas russe. Et nous aurons cela avec cette vidéo. Et maintenant, regardez, puisque nous sommes dans l'une des sections du musée, montrez ce qui est inattendu en haut. Ce n'est pas un toit, c'est une partie. D'un véritable dirigeable à taille réelle. Imaginez simplement à quel point il est énorme. C'est juste une partie. C'est quoi C'est le Jean de Bourg. C'est une partie de Genderburg. La partie de Genserbourg est le plus grand dirigeable jamais construit. Vous pouvez donc imaginer environ 250 mètres, environ. Approchons-nous ici, ici. C'est un grand navire. Il mesure mètres. Oui, le plus grand. Imaginez la taille et ce que je veux vous montrer. Nous allons maintenant essayer d'y entrer et de voir à quoi ressemblait l'intérieur de ce dirigeable autrefois. Plus précisément, sa petite section. Bien sûr, il y avait beaucoup d'espace. Espérons que nous ne serons pas réprimandés pour le fait que nous filmons ici. Espérons que nous ne serons pas réprimandés pour le fait que nous filmons ici. À propos, Ivan a déjà dit que je pense que le microphone ne capte le son que depuis le téléphone. La suite à suivre. Donc, parle près de lui. Là, tu dois attraper ça maintenant. C'est super. Oui, d'ailleurs en ce qui concerne les moyens populaires, j'ai commencé à dire que grâce à Genderberg, grâce au financement participatif, Genderberg a restauré son œuvre et en gros, l'état des dirigeables n'a pas disparu en Allemagne à ce moment-là. En fait, il est important de noter que Genderberg a joué un rôle crucial dans la préservation de cette œuvre. Grâce à ses efforts et au soutien financier de la communauté, cette œuvre a pu être restaurée à son état d'origine. De plus, l'état des dirigeables en Allemagne à cette époque était un sujet de grande préoccupation et les actions entreprises par Genderberg ont eu un impact significatif. Dans l'Union soviétique, la situation était très similaire car les gens contribuaient également financièrement aux dirigeables et le journal Komsomolskaya Pravda collectait cet argent. C'est aussi une forme de financement populaire. Grâce à cela, le dirigeable Komsomolskaya Pravda est également apparu en Union soviétique. Et si vous visitez le musée de la cosmonautique à Kaluga, vous verrez une grande affiche où Komsomolskaya Pravda appelle les gens à contribuer financièrement à la construction d'un dirigeable. Il est écrit là-bas Organisez des collectes pour le dirigeable Pravda. Lorsque nous avons visité ce musée, nous avons aussi pensé que cela pourrait être un signe pour nous d'organiser ces collectes. Ainsi, nous faisons revivre les dirigeables en Russie à nouveau par le biais du financement participatif. En effet, vous voyez, l'histoire est cyclique et tout se répète vraiment. Eh bien, allons à l'intérieur du plus grand dirigeable qui ait jamais existé. Un grand nombre de cabines, plusieurs étages. Que pouvons-nous vous expliquer en détail sur ce qui était différent ici Eh bien, il est clair qu'il y a différents compartiments et il y avait aussi un polonais ici, entre autres. Chacun avait sa propre cabine, bien sûr, mais il y avait aussi des zones communes où l'on pouvait non seulement voler d'un point à un autre, mais également profiter du vol. Écoutez oui, non, eh bien ça doit fonctionner. Regarde, voilà, bon, parlons de ça maintenant. Eh bien, voici le microphone. Je peux encore faire ça, je ne sais pas. Peut-être que comme ça, le microphone sera mieux. Non, peut-être pas. Eh bien, en gros, oui, juste pour que je sois plus près, ici vous pouvez voir à quoi ressemblait l'intérieur du dirigeable autrefois. Ce que nous voyons, ce sont des canapés en cuir, doux et confortables. Il y a différentes tables et chaises. Et ici, Ivan, ici, les gens devaient probablement déjeuner. Il y avait aussi un piano. Il y avait un piano en aluminium et en métal ici, et c'était une zone très confortable et agréable pour les vacanciers. Nous voyons ici même comment les chemins ont été créés. On n'entendra vraiment pas de loin. Des chemins ont été créés et nous pouvons voir comment le dirigeable volait. Nous voyons quatre dirigeables sur différents continents. Il faudra certainement prendre une photo. L'un des plus grands voyages en 40 jours, le dirigeable, qu'il a également rendu très grand et populaire. Et voilà, nous aussi. Ici, nous regardons l'évolution du service postal. Ces images reflètent comment le développement du service postal s'est déroulé. Et à la fin, la dernière image montre où le dirigeable devait transporter les messages des gens, du point A au point B, en passant par plusieurs étapes intermédiaires et en survolant divers paysages magnifiques pour finalement atteindre sa destination finale. Ici, je pense qu'on lisait des livres. Oui, il y a une salle de lecture et d'écriture. Quand nous parlons de ce qui est confortable, vous pouvez imaginer à quel point cela peut être agréable et plaisant. De grandes fenêtres permettent à la lumière naturelle d'entrer, créant une atmosphère chaleureuse et accueillante. Ce dirigeable volet d'Europe en Amérique. C'était un endroit pour un paquebot de croisière. On pouvait admirer la vue en bas comme ça. Notre guide nous a dit, Les gars, imaginez que vous regardez depuis ici les vastes steppes de l'univers, de la Terre, de l'océan. C'était vraiment très... Incroyablement, exceptionnellement excellent. Oui, et eh bien les amis, voilà, voici nos impressions d'un vol en dirigeable. Nous vous avons montré aujourd'hui à quoi ressemblait l'intérieur du dirigeable. Vous avez un peu vu le musée, j'espère que vous avez bien entendu. Bientôt, il y aura un grand nombre de vidéos où nous montrerons et expliquerons plus en détail comment s'est déroulé notre vol en dirigeable. Parmi les choses intéressantes, nous avons interviewé l'hôtesse de l'air et le pilote, et ils ont parlé des particularités des vols en dirigeable et de beaucoup d'autres choses fascinantes. Donc, il y aura énormément de contenu. Cela vous aidera à mieux comprendre ce que nous faisons. Voilà, donc voilà, Fedor. Eh bien, maintenant, c'est à toi de parler sans mots ou peut-être... Oui, j'ai une question sur tes propres sensations pendant le vol. À quel point cela t'a-t-il semblé sûr Y avait-il beaucoup de bruit ou pas Vous était-il permis de sortir par les fenêtres Maintenant, laissez-moi essayer, je ne sais pas. Si on m'entend avec le micro ou pas, on m'entend, on m'entend. Mais en ce qui concerne les sensations, au début, cela ressemblait à l'embarquement dans un avion. On passe également par le contrôle des billets. D'ailleurs, la zone de décollage se trouve près de l'aéroport. C'est-à-dire que c'est comme une partie de l'aéroport. C'est en réponse à la question, je vais me rapprocher un peu, peut-être qu'on m'entend seulement au téléphone. C'est simplement une réponse à la question concernant l'infrastructure. Oui, facile d'utiliser l'infrastructure en réservant une petite zone pour les dirigeables. C'est comme cela a été fait ici. Nous nous sommes assis, avons attaché nos ceintures et décollé. Je n'ai ressenti aucune surcharge comme dans un avion quand mes oreilles se bouchent. Tout était facile. Après le décollage, nous avons ouvert les fenêtres et voilà. On pouvait commencer à profiter. L'hôtesse de l'air disait, regardez là-bas, regardez ici. Nous pouvions nous déplacer tranquillement dans le salon. D'ailleurs, cela en dit long, et j'ai déjà parlé au début de mes émotions, que... Tout d'abord, tu sens que... C'est très facile et fluide, c'est-à-dire doux, sans aucune surcharge, ni quoi que ce soit, ni de forte descente. C'est pourquoi j'ai dit que je comprends maintenant pourquoi les dirigeables sont appelés des vaisseaux aériens. Et pourquoi nous disons qu'il y aura un yacht volant, l'un de nos premiers dirigeables. En fait, véritablement, oui, les sensations sont très similaires. Elles ressemblent à celles que l'on ressent sur un yacht. D'autant plus que lorsque tu es ici et que tu comprends à quoi peut ressembler ce yacht, c'est comme si tu étais dans un hôtel. Notez que nous sommes en 1930, il y a 100 ans. Le niveau de confort, bien sûr, sera complètement différent maintenant. On se sent en sécurité, on n'a absolument pas peur, on ne s'inquiète de rien. Il y avait une équipe, d'ailleurs, qui aidait. Il y avait aussi un pilote professionnel. En fait, il avait le volant. On pouvait parler avec lui. D'après mes impressions personnelles, les fenêtres étaient effectivement ouvertes, mais nous ne nous sommes pas penchés à l'extérieur, car ils ont dit qu'ils ne prenaient pas la responsabilité si vous laissiez tomber votre téléphone ou autre chose, donc nous n'avons pas pris de risque. Les sensations étaient super positives. Comme je l'ai déjà mentionné au tout début, ce n'est absolument ni un avion, ni un ballon. C'est quelque chose qui se situe entre les deux, qui prend vraiment le meilleur des deux. Et même dans un domaine comme le simple tourisme, je pense que c'est très intéressant. Je sais que la société Zeppelin réalise un bénéfice, comme j'ai lu sur Internet, de 150 millions d'euros par an. Cela indique que l'entreprise est rentable. On peut donc conclure, disons, sur le sujet de savoir s'il est possible de gagner de l'argent avec des dirigeables. Et d'ailleurs, nous avons également vu un hangar où un autre dirigeable est en cours de construction. Fédor, tu as dit qu'il y en a deux qui volent ici maintenant. Il y en aura trois qui voleront spécifiquement à Friedrichshafen. Et quelques-uns volent maintenant en Amérique de Tsepiliev. Mais je pense que ce n'est que le début. Trois, n'est-ce pas J'ai dit deux. Non, ici, il y en a deux qui volent. Un troisième est en construction. Trois ont été achetés par des entreprises américaines qui coopèrent. Et ils en ont encore plus qui volent. Qui Les Américains. Oui, chez les Américains. Eh bien, en gros, les dirigeables existent, ils volent. Et d'ailleurs, ils ont aussi des vols, pour que vous compreniez, ce n'est pas comme s'il avait volé un jour et que quelqu'un s'occupait de lui par la suite. Il est comme un cheval de travail. Il n'a pas eu le temps de déposer les uns et il vole sans s'arrêter. C'est-à-dire comme ça. Cela en dit aussi beaucoup sur la fiabilité du moyen de transport, qu'il vole de va-et-vient sans s'arrêter toute la journée. D'après mes impressions personnelles, encore une fois, c'est facile, doucement, tu te sens en sécurité, c'est très beau. Et cela te procure un maximum de plaisir dans le processus qui te plaît énormément. Eh bien, ajoutons probablement le plus important. Peut-être c'est utile et agréable si nous parlons du transport de marchandises. Laissez-moi aussi vous donner quelques chiffres. Dans la conversation avec l'hôtesse de l'air et le pilote, nous avons discuté et les chiffres concernant les vols sont les suivants. Chaque appareil effectue environ 12 vols par jour et nous voulions faire une interview avec quelqu'un qui volait aussi avec nous, mais cela n'a pas pu se faire. Il est vraiment important de noter que les gens disent que c'est très cher, mais c'est tellement génial, en fait, vraiment, par conséquent, la demande sera forte, car plus il y aura de dirigeables sur le marché, plus de personnes pourront se le permettre. Et voler, c'est une destination touristique. Oui, mais oui, c'est parce que, où aller d'autre Si tu n'es pas d'accord avec la compagnie, tu peux ne pas faire de tour en dirigeable. C'est aussi un peu comme ça, donc peut-être que nous pourrons, entre autres, réduire les coûts lorsque cela apparaîtra en masse, si nous en avons besoin. Si les gens sont d'accord avec ce prix, sinon nous gagnerons de l'argent, c'est un business. Tout d'abord, nous serons dans un autre endroit, n'est-ce pas Eh bien, il y aura un autre public. Tout ce qui a déjà été dit avant nous a en fait sa place. Moi, après avoir été ici, je suis sûr à 100% que même si certains d'entre vous sont sceptiques à l'égard des dirigeables, même si vous écrivez là-bas, eh bien, parfois on écrit que le vent vous emporte etc. Si l'on enlève tout le superflu et qu'on dit, les gars, en gros, nous pouvons au moins faire la même histoire qu'ici, mais simplement chez nous en Russie, à Moscou, où il est beau de voler, je suis sûr que cela aura une demande. Incroyable. Ici, c'est comme une preuve. C'est pourquoi cela a également été intéressant pour moi personnellement, pour cette compréhension. En fait, s'il y a des questions, nous pouvons y répondre. Voilà. Et nous voulons aussi filmer le musée ici, nous promener, afin que vous puissiez ensuite en savoir plus sur tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui dans la vidéo. Super Pache, merci. Je n'ai pas de questions. En fait, je pense que vous allez tout expliquer en détail dans la vidéo. Et nous, avec Andréi, allons continuer et parler de tourisme, de dirigeables et de la Chine. Si deux petits appareils comme des drones ou des petits avions peuvent gagner autant d'argent en Allemagne en un an, alors tu as raison de dire qu'en Chine, avec ce flux touristique important et constant, et de plus grands appareils comme des avions commerciaux, ils gagneront beaucoup plus qu'en Allemagne, où le marché est déjà saturé et compétitif. C'est-à-dire que ce chiffre qu'on m'a donné, je n'ai pas tout à fait expliqué. Chez eux, le socialisme était comme le nôtre, semblable à ce socialisme, mais un peu capitalisé. C'est-à-dire qu'ils ont le droit de propriété privée sur les moyens de production, ce qui était strictement interdit à notre époque. Mais les plans quinquennaux, ces prévisions, leur sont restées. Nous avions aussi prévu de produire un million de machines pendant ce plan quinquennal, et nous l'avons fait. Voici en principe ce qu'ils ont prévu en Chine. Ils le font, et ce n'est pas juste comme ça. Il y a encore trois entreprises en Chine. Ça ne te dérange pas que je te dise ça. Parlez, parlez. En Chine. Il y a trois entreprises qui fabriquent déjà des dirigeables. Elles sont fermées. Je ne connais pas du tout les deux. Personne ne les a vues, mais une est certainement déjà en vol. Ce qui est intéressant, c'est que Victor Arestov l'a vu. C'est-à-dire que ce dirigeable, Victor Arestov l'a vu la veille de mon arrivée. Il l'a simplement filmé et me l'a montré. C'est un dirigeable sans signe distinctif. C'est-à-dire, il est clair que c'est un développement militaire financée par l'État. Et donc cette entreprise, où j'étais, oui, c'est Axiane, elle rêve, elle euh, veut produire des dirigeables de 85 mètres de long, entièrement électriques. Ils ont déjà calculé les batteries, ils ont déjà des moteurs électriques, certainement, qu'ils prévoient d'installer, mais ils n'ont pas le plus important, ils n'ont pas d'argent. C'est-à-dire qu'ils ont investi tout ce qu'ils ont actuellement. Pour le premier développement du dirigeable, de 66 mètres de long et de 12 mètres de diamètre, ils ont investi environ 200 millions de yuan et maintenant l'argent est environ épuisé. C'est-à-dire que les sommes sont importantes et vous savez, ils se sont tournés vers nous avec une demande de financement pour leur projet. Je ne sais pas à quoi cela va ressembler. En fait, il est très difficile de travailler avec la Chine. Ils ont leur propre législation, mais le sujet et la demande sont là. Oui, bah, ils sont déjà allés assez loin. Ils ont atteint, ou plutôt, ils sont parvenus à obtenir les certificats. Mais aujourd'hui, je comprends qu'ici à Moscou, ou autrement dit en Russie, nous avons toutes les chances de lancer des dirigeables et de les rattraper et de les dépasser, certainement. Eh bien, dans notre pays, récemment, une personne a dit que dans notre pays, tout était exactement comme ça. Nous avons parlé des dirigeables. Il a dit que tout était comme ça dans l'Union soviétique. Nous allons rattraper et dépasser. Quelqu'un a commencé à produire des dirigeables. Nous avons commencé à produire des dirigeables. Quelque part, ils ont dit, c'est fini, nous arrêtons, mais nous n'avons rien à rattraper, rien à dépasser. Et nous avons fermé la construction de dirigeables. C'est intéressant. Et maintenant, nous voyons qu'en Allemagne, ils existent déjà, il y en a un peu, ils n'ont pas abandonné ce sujet. En Chine, ce sujet commence à se développer. En plein essor, à son apogée, il est à son sommet. Dans leur pays, toutes les marques de voitures pratiquement mondiales sont produites. J'ai regardé tout, BMW, Toyota, Volkswagen, tout cela est produit en essence, électrique et hybride, ainsi que des Mercedes. Et bien sûr, ils se dirigent déjà vers la construction de dirigeables. Quelqu'un veut, par exemple, en fait, occuper une niche militaire pour contrôler les frontières. Quelqu'un veut s'approprier le secteur du tourisme et l'étendre à travers toute la Chine. Ils ne pensent même pas que cela peut se faire là-bas en Afrique ou dans un autre pays. Ils sont exactement bien ciblés sur leur secteur touristique chinois. Et j'ai déjà dit que le plus important, c'est qu'ils prétendent vraiment atteindre une hauteur d'environ 300 mètres. Nous, je comprends, pouvons nous développer beaucoup plus haut. Nous avons des scientifiques pour cela. Et nous avons certainement toutes les possibilités pour atteindre la stratosphère. En général, la Russie dispose aujourd'hui de possibilités colossales, tout comme c'était le cas avec les moteurs de Duyunov. Nous pouvons maintenant... Sauter dans la construction de moteurs avec les enroulements Slavyanka à un niveau mondial, car c'est économique. De la même manière, nous pouvons maintenant sauter à un niveau très très élevé dans la construction du dirigeable, comme euh, m'a également suggéré une personne récemment lors d'une conversation. On peut fixer n'importe quel prix pour le dirigeable, vraiment n'importe quel prix, il sera quand même désiré, il sera acheté. Et même s'il n'est pas acheté, la construction de dirigeables et leur exploitation généreront des bénéfices tels que dans d'autres secteurs aujourd'hui, que ce soit dans la construction de machines ou dans l'industrie automobile. Cela ne rapporte plus. Là-bas, la marge est minime. Ici, il y a simplement d'énormes possibilités. Eh bien, c'est probablement un très bref résumé de mon voyage, en fait, euh, très intéressant. Voilà, j'ai expliqué. S'il y a des questions, Fédor, peut-être que tu as quelque chose à dire. Oui, il y a bien sûr mille questions et une, tant de nos spectateurs, je pense, que de nos collègues aussi. Regarde, je voulais corriger c'est que tu dis, en Union soviétique, nous allons rattraper et dépasser. Et le plus intéressant, c'est que les Chinois, ce sur quoi ils volent maintenant, que Arrest a vu de ses propres yeux, essaie de nous rattraper. C'est une copie de notre AU-30 qui a été construit là-bas et a volé dans les années 2000. Et ce dirigeable, il est certainement le même que ce New Zeppelin. En effet, en fait, notre pays est au même niveau que les autres, simplement, nous ne faisons pas les choses en ce moment. Et ils nous rattrapent, et nous ne les laisserons pas nous rattraper et nous dépasser. C'est une remarque très pertinente. Mes amis, je viens de me souvenir lorsque Fédor a commencé à parler que j'étais en train de discuter avec monsieur le directeur déjà pour la quatrième ou cinquième fois, lorsque nous avions déjà établi une relation de confiance, lorsque nous avions déjà partagé plusieurs repas selon la tradition chinoise au restaurant. Il a commencé à raconter une telle chose. Quand ils sont entrés dans la construction du dirigeable, c'était il y a de nombreuses années et ils n'avaient pas encore avancé loin, alors ils n'avaient rien pas de documents, que devaient-ils faire Ils ont pris des documents, certains documents, ils les ont pris en Russie, d'autres en Europe, et sur la base de ces documents, ils les ont traduits en chinois. Toutes les normes, toutes les exigences, tous les ghosts, et après cela, ils ont seulement soumis ces demandes de certification et d'obtention des autres préférences auprès, comment cela s'appelle correctement du ministère de l'aviation ou de la navigation aérienne ou de la navigation aérienne appropriée. Donc en fait, il s'avère que nous ne rattraperons pas et ne dépasserons pas la Chine. Ils essaient maintenant de nous rattraper et de nous dépasser et nous devons juste accélérer un tout petit peu. C'est tout à fait correct. Oui, c'est vraiment bien sûr exact. Les Chinois, il s'avère, construisent ce dirigeable à des fins touristiques. Il est à la fois un prototype et un projet expérimental. Et maintenant, dans cette entreprise où tu étais, il y a un plan pour construire un appareil plus grand. Oui, il sera beaucoup plus grand. Enfin, pas beaucoup. Il sera simplement plus grand que ce qu'il y a actuellement en Allemagne. Voilà ce que Pavel nous a montré à Friedrichshafen. Sur quoi il volait Oui, oui. Donc, quelle est la tâche que la Chine doit accomplir maintenant si je pense que tout le monde est intéressé par tout ce qui concerne les dirigeables. Tout d'abord, ils veulent quitter la zone où ils se trouvent pour aller dans la ville elle-même. Ils ont déjà trouvé un emplacement dans la ville de Xi'an. C'était historiquement l'ancienne capitale importante de la Chine. C'est là où a vécu le premier empereur de Chine. Voilà. Ils veulent, en gros, ils ont. Quelle est l'idée? Ils veulent construire des dirigeables là où ces dirigeables seront utilisés, au centre de la ville. C'est-à-dire que des dirigeables sont construits au centre de la ville d'Eling. Tous les matériaux sont fabriqués en Chine. Ils n'ont pas besoin de se tourner vers ailleurs. Mais un point très intéressant quand j'ai posé la question Monsieur le directeur, est-il possible de collaborer Pouvons-nous obtenir quelque chose de vous Il a dit Oui, bien sûr. Et la première chose qu'il a demandé, les gars, c'est que nous avons besoin d'hélium. Nous avons besoin d'hélium. Il y a beaucoup d'hélium en Russie. Je me suis dit cela quand je suis arrivé en Russie. Nous avons discuté avant-hier avec une personne très intéressante. Peut-être que nous vous présenterons à lui. Alors il dit, oui, bien sûr, nous serons ravis de fournir de l'hélium en Chine, mais uniquement dans des dirigeables. Et j'ai tellement aimé ça. C'est tellement génial, c'est-à-dire que nous allons créer des dirigeables et vous vendre de l'hélium dans les dirigeables. C'est une tendance très juste aujourd'hui, je pense. Oui, peut-être que tu n'as pas entendu, mais nous avons déjà un peu abordé ce sujet. En Russie, la production d'hélium est en plein essor, et ils ont raison de le dire, ils ont des problèmes avec l'hélium, ils ont besoin de notre hélium, et l'une des solutions élaborées en collaboration avec les développeurs leur a été rapportée. Alors pourquoi pas C'est par dirigeable que l'importation d'hélium liquéfié s'avère la plus avantageuse. Directement vers les pays d'Asie, depuis l'usine de production Écoute, dans chaque blague, il y a une part de vérité, non Ce n'est vraiment pas une blague. Ce n'est pas une blague. Ce n'est pas du tout une blague. Voilà, en Allemagne, ils essaient de développer le tourisme. Et en Chine, ils regardent à nouveau les dirigeables d'un point de vue touristique. En plus, il y a des militaires. Oui, c'est clair. Mais le dirigeable a un nombre infini d'applications différentes, notamment commerciales, où il est beaucoup plus avantageux que les solutions logistiques actuelles, les mêmes, et bien transporter des héliums, s'il vous plaît, en grande taille, le sujet le plus usé, s'il vous plaît. Mais nous allons vraiment, en fait, vous visionner tout un film sur ce qui se passera par la suite, en détail, pas seulement le tourisme. Et le tourisme, oui, très efficace en termes de... C'est vrai, l'effet est impressionnant. Une personne arrive, fait connaissance, vole, oui. Mais l'argent est en réalité plus sérieux, investi dans d'autres tâches. Mais même comme nous le voyons dans le tourisme, en Allemagne, deux dirigeables par an rapportent autant d'argent que nous avons besoin pour la réalisation du projet. En gros, deux dirigeables rentabilisent notre projet en un an. Juste au moment où nous voulions construire deux dix tonnes, ils seront plus grands que ceux-ci. Les appareils seront plus luxueux, extrêmement luxueux pour le tourisme, plus technologiques, très technologiques, super modernes et capables de voler beaucoup plus loin jusqu'au pôle Nord. Ces deux appareils, basés sur le modèle allemand, permettront de rentabiliser le projet en un an, soit 100%. Eh bien, j'ai beaucoup soutenu et je soutiens encore notre premier projet. Les moteurs d'Uinovo, mais quand j'ai vu à quel point il est réaliste de construire un dirigeable maintenant, je pense même que c'est plus réalisable que ce que nous avons fait à Zelenograd. Et si nous avons créé une telle entreprise à Zelenograd Je suis absolument sûr que nous aurons certainement nos propres dirigeables. Je sais avec certitude, sans aucun doute, que cela va se produire très bientôt. Les dirigeables, bien sûr, c'est un peu plus compliqué, c'est un système complexe. Je ne dis pas que les moteurs, c'est facile, d'autant plus avec le KTB, les essais et les développeurs. On peut fabriquer des moteurs quand on sait quoi produire, mais quand on te demande de développer d'abord, selon certaines caractéristiques, produit, puis fabrique, oui, c'est difficile, je suis d'accord. C'est vraiment difficile, mais c'est faisable. Nous avons des gens qui peuvent tout faire. Oui, nous avons décidé cela, et pour les dirigeables, tu as raison, nous allons aussi le résoudre. De plus, ces personnes l'ont déjà fait, elles l'ont fait dans des délais limités, avec des budgets restreints à une époque troublée en Russie, lorsque le pays commençait à se stabiliser. Donc, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour cela maintenant. Salut les gars, salut C'est la première fois que je participe à un webinaire sur les dirigeables lors de mon voyage. En Chine, je me suis inspiré de ce sujet. Je ne laisse pas de côté le précédent. Je continue à y travailler. Je vais en parler et en montrer beaucoup encore. Mais à tous ceux qui prêtent attention au nouveau projet, je suis convaincu que c'est incroyablement génial. Cela nous rapportera d'énormes bénéfices. Vraiment énormes. Vraiment... Merci. Ou avez-vous des questions Non, pas du tout. Les gars, posez vos questions. Aujourd'hui, nous avons un webinaire particulier, comme vous l'avez vu, avec des interventions en direct, avec Andrei Lobov. Nous pouvons répondre ici à des questions techniques ou à n'importe quelle question en général. Quel gaz utilisent les Chinois N'est-ce pas notre hélium Oui, tout à fait. Les Chinois utilisent notre hélium. C'est-à-dire, je ne sais pas... Il y avait des informations selon lesquelles la Russie interdit actuellement la vente d'hélium à l'étranger, mais apparemment ils ont de vieux stocks. Si je comprends bien, un dirigeable a été rempli avec notre hélium. Oui, cela soulève immédiatement une question. Le fait que l'hélium soit plus sûr que l'hydrogène, ne pourrait-on pas les mélanger pour des raisons pratiques et bénéfiques C'est une question pour Fedor, pas pour moi. En fait, vraiment... Nous allons expérimenter des travaux sur la phlegmatisation de l'hydrogène, c'est quand des additifs sont ajoutés à l'hydrogène, le rendant non combustible et non explosif. Il n'est pas gonflé avec de l'hélium, mais avec d'autres gaz moins chers. Nous pouvons essayer cela nous-mêmes dans le cadre des laboratoires qui existent déjà, et nous le montrerons bientôt. Il semble qu'il y ait, oui, un mélange, une concentration sûre. Je ne peux pas donner de pourcentage, mais oui. On peut mixer l'hélium avec de l'hydrogène, ce sera moins cher, et la force de levage sera plus grande, pas plus dangereux. Mais il est important de clarifier tout cela dès le départ. Les premiers dirigeables seront exclusivement remplis d'hélium sûr, tout le reste ne sera pas utilisé tant qu'il n'aura pas passé des certifications spéciales et prouvé sa sécurité. Pourquoi suis-je contre l'hydrogène Je vais expliquer. En quatrième classe, quand j'étais élève, j'ai lu dans la littérature comment l'hydrogène est produit, c'est-à-dire qu'on prend du peroxyde d'hydrogène, on le plonge dans du permanganate, on place un bocal de 3 litres et l'hydrogène s'y accumule. En gros, je peux faire cela et produire de l'hydrogène à la maison. Oui, je l'ai déjà fait plusieurs fois. Un beau jour, mes expériences se sont terminées de manière désastreuse. J'ai explosé et j'ai passé un mois à l'hôpital avec le visage brûlé. À ce moment-là, mes lunettes m'ont sauvé, car les verres en sont simplement tombés. C'est-à-dire que mes yeux sont restés intacts. C'est pourquoi je suis contre l'hydrogène. Je suis tout de suite pour l'hélium et je ne veux personnellement faire aucune expérience avec l'hydrogène. Ha ha ha! Nous aussi, en fait, si nous avons abordé l'expérimentation, je parle dans le cadre des laboratoires actuels. Moi-même, nous avons un laboratoire avec les gars, nous y travaillons. Si vous avez regardé la vidéo de Kirjatch, c'est justement avec Denise et Artium que nous travaillons. Il y a aussi David. Nous travaillons avec eux dans le laboratoire, nous manipulons de l'hydrogène, nous avons des bouteilles qui sont directement dans le laboratoire. Nous avons réfléchi que si le ballon éclate, le laboratoire ne sera pas volé, mais il restera... Mais cela fait quelques années que tout est calme, tout va bien. L'essentiel est que tout soit aéré, ventilé, toutes les mesures de sécurité. Nous remplissons les réservoirs, nous faisons une surionisation. Nous produisons du plasma à partir d'hydrogène. Il y a eu un cas où nous n'avons pas pris d'hydrogène des ballons, pour nos expériences, mais nous avons également inventé une technologie pour extraire l'hydrogène d'une manière légèrement différente, à travers l'aluminium. L'aluminium était allié avec des alcalins. On obtenait une sorte de tablette dont l'eau commençait à libérer de l'hydrogène. Nous avions un système de collecte de l'hydrogène et il n'a pas explosé à cause d'un feu ou de quoi que ce soit d'autre, mais à cause d'une pression folle qui a fait éclater ce système, et nous avons encore dans le laboratoire des morceaux de plâtre qui se sont détachés, comme ces morceaux se sont dispersés. Il y avait un appareil qui se tenait au milieu de la pièce à ce moment-là. Tout autour était troué, les horloges étaient brisées, les tableaux étaient perforés. Et David se tenait là, simplement sourd. Oui, oui, oui. Au fait, quand l'hydrogène explose, on a l'impression d'avoir subi une commotion. Oui, je peux supposer qu'il est peu probable que la pression ait pu créer cela. Mais l'hydrogène sous pression pourrait en effet détonner et exploser. Oui, c'est un truc dangereux. C'est pourquoi l'hélium, l'hélium, encore une fois l'hélium... Et seulement, seulement de l'hélium, seulement... Il y a un mais dans la stratosphère, il n'y a pas d'oxygène. Et quand l'appareil stratosphérique est sans pilote, c'est comme un robot dirigeable qui monte dans la stratosphère. Là, tu peux même l'enflammer. Il ne s'enflammera pas physiquement. Il n'y a simplement pas d'oxygène. C'est vraiment beaucoup moins cher que l'hélium, en fait. Écoutez, nous avons tellement d'hélium. Dans notre pays, il y a un océan d'hélium. Oui, je pense que si nous offrons un service de livraison. Il pourrait en général nous être échangé par le biais d'un troc. Bien. Il y a encore des questions vraiment intéressantes. Oui. Pour le transport de passagers, seul l'hélium est utilisé. Et en général, pour les marchandises, je pense. Oui. Ils confirment. Ils écrivent que c'est bien correct, sûr et approprié. Combien plus grand sera le ballon avec les mêmes caractéristiques de levage s'il est rempli d'hélium Il y a des calculs. On peut tout voir. Ils sont scolaires, je ne me souviens pas très bien. Il y a une petite différence, oui, ce n'est pas si avantageux d'utiliser de l'hydrogène, compte tenu des risques associés, c'est parce qu'il peut s'enflammer qu'il peut exploser, il est plus volatile que l'hélium, il diffuse à travers les membranes de manière plus active, ce n'est pas une si grande augmentation, en termes de portance, cela n'atteint même pas 10%, si ma mémoire est bonne. Vous pouvez faire une recherche sur Google. C'est plus simple, mais en ce qui concerne l'économie, oui, l'hydrogène est beaucoup, beaucoup moins cher. Je peux le récupérer moi-même et fabriquer un appareil qui vole à l'hydrogène. Mais c'est dangereux, bien sûr. Il est clair que le sujet concerne actuellement la structure étatique, comme vous le dites. Les Chinois, qu'est-ce qu'ils essaient de rattraper là-bas Nous avons des scientifiques et d'autres. Mais je ne peux pas ouvrir le commentaire plus loin pour le lire. Application V Contact. Les mains sont liées. Si l'on regarde, en ouvrant le mur sur V Contact où se déroule actuellement cette diffusion en direct, les commentaires n'apparaissent pas. Mais quand on ouvre la diffusion en direct, ils apparaissent juste ici, directement sur la diffusion. Cependant, on ne peut pas lire les commentaires jusqu'à la fin. Pendant que tu cherches les commentaires... Je peux ajouter qu'en Chine, le directeur a personnellement développé avec ses concepteurs la cabine qui se fixe au dirigeable. Ils veulent utiliser uniquement des structures rigides, c'est-à-dire un cadre en composite de carbone de très haute résistance, de très haute qualité. Tous les instruments, autant que j'ai compris, ce sont des instruments d'avion. Il n'y a rien de compliqué ici. Mais voilà, par un concours de circonstances, j'ai également été invité dans des instituts qui s'occupent de l'intelligence artificielle. Et j'ai compris qu'en Chine, le niveau est déjà très élevé, où l'intelligence artificielle est utilisée notamment dans la robotique très avancée et très développée. Je regardais, ils ressemblent à des humains, ils bougent comme des humains, ils communiquent déjà comme des humains. Et c'est justement l'utilisation de dirigeables sans pilote grâce à l'intelligence artificielle qui, bien sûr, est absolument formidable, car c'est vraiment, vraiment l'avenir. Oui, je viens de lire ce commentaire, tout parlait de comparer notre industrie automobile avec celle de la Chine, de regarder notre LADA et leurs voitures. Et il y a à peine quelque temps, ils vivaient encore dans des tentes. Et de quoi Allez-vous construire vos dirigeables De toute façon, la moitié sera achetée en Chine Oui, je comprends cette question. Je pensais aussi cela auparavant. Regardez, nous avons commencé en même temps. C'est-à-dire qu'aux années 90, nous avons connu une restructuration. C'est-à-dire que l'Union soviétique s'est effondrée en de nombreux États. Et c'est à ce moment-là, à ce moment-là, que la Chine est entrée dans une impasse. Et ils ont ouvert leurs frontières, devenant ainsi ouverts au monde. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'il y a eu une percée, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment choisi le bon chemin pour la Chine. Mais cela n'arrive pas en réalité. Qui comprend comment les pays se développent La passionnarité, c'est-à-dire qu'il y a des hausses, puis des baisses, puis encore des hausses. Oui, la Chine est actuellement en hausse. Ce n'est pas grave. Je ne vois pas cela. Nous avons également été en plein essor à notre époque. Je me souviens du tout premier débriefing quand tu parlais de Vénus. Vénus 1, Vénus 2. Les gars, quelle année est-ce C'est l'année 65 ou 67 Je pense que c'est plus proche. 70. 66e probablement. Quelle différence Regardez combien d'années cela fait. Nous avons volé dans l'univers. Nous avons volé vers Vénus. Nous sommes restés sur Vénus pendant trois jours. Aucun appareil dans le monde n'a pu le faire et ne peut le faire maintenant. Regardez, en ce moment, Elon Musk vole dans l'espace, oui, et il montre que nous avons déjà tout cela vécu. C'est-à-dire qu'il y a eu un temps où nous étions au sommet, eh bien, qui nous interdit de retourner à cette altitude. Nous allons commencer avec un départ à bas niveau et nous nous dirigerons au moins vers la construction de dirigeables, c'est certain. On nous a dit que nous étions des moteurs de duénola, que nous ne construirions jamais rien et que nous ne ferions rien. Eh bien, nous l'avons fait, d'autant plus que que demande maintenant la Chine Elle demande de l'hélium. Et quoi d'autre Ils n'ont besoin de rien d'autre de nous, sauf de cerveau. À chaque réunion, s'il vous plaît, présentez-nous vos physiciens, vos mathématiciens. Nous sommes prêts à leur payer des sommes folles. Voici, présentez-les, nous les convaincrons, nous les transporterons, mais je ne vais pas amener un seul de mes connaissances. Je vis à Ogninsk, que j'ai plein de physiciens et de spécialistes en nucléaire parmi mes connaissances. Je ne vais en présenter aucun à la Chine car ils vont de toute façon les attirer. Mais le plus amusant, les chinois contactent de nombreux scientifiques et ici, les gens disent simplement je ne veux pas aller en Chine, faisons-le ici. Faisons-le ici. Et beaucoup, vous savez, beaucoup ne sont pas patriotes, ils ne veulent tout simplement pas en parler là-bas. C'est un autre pays, c'est une autre mentalité, tout est différent. Là-bas, on peut produire, je ne conteste pas, de manière efficace et rapide. Mais encore une fois, il faut bien sûr l'utiliser à nos propres fins. J'ai regardé d'ailleurs à propos de Vénus, j'ai précisé. Tout a commencé en 61 et s'est terminé en 85. Les gars, la guerre vient de se terminer en 45. En 61, Amougé a commencé les vols, les projets pour Vénérie. La réorganisation est terminée, mais c'est notre chemin, c'est notre développement. L'histoire est cyclique, tu as raison. Il y a des hauts et des bas, si l'on regarde les jalons historiques. On peut dire que la Russie est actuellement comme un locomotive qui s'élève. Absolument vrai, nous avons déjà démarré, l'avons déjà fait. Nous sommes déjà détachés de la surface. Oui, il y avait une blague. Comme ça, je ne veux pas la dire, mais pour une raison quelconque, elle est mentionnée. Il y avait une sorte de rapport, mais nos graphiques sont en hausse, tout va bien, et ils expliquent dans quel ordre. Quand un chat tombe du neuvième étage, il se casse comme ça et ensuite il rebondit un peu. Vous me parlez de ce rebond maintenant. Une blague drôle, mais ce n'est pas à propos de nous. Nous avons bien sûr beaucoup chuté, mais il ne faut jamais désespérer. Ceux qui n'ont jamais chuté n'ont jamais non plus réussi à se relever. En haut, oui, ce que je voulais encore dire, c'est à propos de la Chine. Ce que nous allons y acheter, ce qui nous intéresse. Eh bien, tout le monde sait que notre pays n'est pas vraiment dans le top 20 des acteurs de l'électronique. En fait, c'est exact. Ils ont déjà fabriqué leurs propres puces. Oui, ils se sont déjà éloignés des Américaines. Mais nous avons aussi quelque chose. Mais tout cela est destiné à la défense, et cela n'a pas de sens pour nous. Bon, c'est évident que c'est naturellement pour la défense, mais en ce qui concerne l'électronique, il est clair que nous avons beaucoup de matériaux et la production vient en Russie. Les Chinois partagent volontiers avec nous leur équipement pour la production et les tissus spéciaux. Nous étions récemment à une exposition, le technotextile, qui s'est tenue les 3, 4 et 5 au Crocus, où nous avons observé que les matériaux composites se développent dans notre pays. Voici, le MISIS est vraiment une excellente université. Vous pouvez voir ce qu'ils font. À Bauman, il y a plein de départements. Oui, ce n'est pas industrialisé partout, mais il y a un besoin pour cela. Nous avons des tâches à accomplir, la technologie est là. Il existe une équipe capable de maîtriser cela industriellement. Tout l'accès à l'équipement est disponible, mais en réalité, nous ne sommes pas si dépendants des approvisionnements externes. Après tout, nous avons. D'ailleurs, en ce qui concerne l'informatique, les puces, la Chine, et ainsi de suite, oui, la Chine, là-bas, l'Amérique détient tous les brevets. La Chine maintient toute la production avec Taïwan de manière conditionnelle. Dans notre pays, on a récemment réalisé cela et en ce moment, le traitement du contenu vidéo est en cours. Tout ce contenu vidéo est numérique, il a un corps numérique, le corps numérique est intégré dans l'intelligence artificielle et il commence à le traiter selon ses propres algorithmes et à le restituer. Mais il y a une histoire légèrement différente, elle n'est pas numérique, elle est pratiquement analogique, elle est quantique. Elle est optique et nous commençons à créer des systèmes de calcul selon un principe différent. Et il est tout à fait probable que dans à peine 5 ans, nous verrons une technique complètement nouvelle qui... Eh bien, ils ont créé un adaptateur qui pouvait traiter la vidéo en temps réel, c'est-à-dire que la vidéo est diffusée et notre système quantique traitait la vidéo reconnaissant certains symboles présents dans la vidéo beaucoup plus rapidement que l'intelligence artificielle numérique actuelle, qui utilise des cartes graphiques. Oui, et il pourrait vraiment y avoir une révolution en un clin d'œil, et nous commencerons à utiliser un principe complètement différent d'appareil, et nous ne dépendrons plus de personne, et même nous aiderons ce marché. Oui, mais personne ne nous empêche, si nous avons besoin de certains matériaux, personne ne nous empêche de les acheter là-bas. À ce jour, il n'y a pas encore d'obstacles vraiment sérieux. Bien sûr, ils essaient de le faire, mais pour l'instant, il n'y a pas de problème. Dmitri Sergeyevich Kmel regarde notre webinaire en ce moment et indique que ce sont précisément les aérostats qui ont été envoyés sur Vénus en 1985. Deux ballons dirigeables ont transmis des données pendant 74 heures en 1985. Ils ont été lancés depuis les stations interplanétaires Vega. Merci beaucoup pour cette information. Oui, mais les ballons eux-mêmes ont volé encore plus longtemps. C'est juste que les données ont cessé d'être transmises parce que les batteries étaient à plat. Eh bien les gars, voilà s'il vous plaît. Ouais. Les gars, personne n'a fait cela. Il y a eu une percée si puissante à l'époque soviétique qu'aucun pays ne peut la surpasser aujourd'hui. Ce que les Américains font aujourd'hui, ils volent quelque part, mais nous avons déjà tout passé et réalisé. Malheureusement, nous nous sommes arrêtés, mais je le répète, c'est notre chemin russe et c'est le meilleur chemin. Tôt ou tard, nous serons de toute façon les premiers. Oui, d'ailleurs, parlons de l'espace. Ce dont je me souviens, c'est qu'Elon Musk a seulement déclaré que je vais ramener les étages des fusées. À l'époque, je travaillais au GKMPC, nommé d'après Khrunichev, et nous étions là en quelque sorte à retourner les étages. En gros, nous avons examiné nos développements, Baikal. Les anciens Baïkal. Nous avions aussi cette énergie, la fusée qui lançait le Buran, ses blocs latéraux atterrissaient en parachute. C'était, déjà à l'époque, et après cela, nous avons développé ces Baïkal. Une fusée décollant avec Elon Musk, et elle redescend avec le même moteur. Mais chez nous, c'était plus simple. Ici, il y avait une aile qui tournait, et elle s'envolait, ses étages s'envolaient, tout cela existait. Je te dirais même plus. Il n'y avait pas de tâche pour eux. Les concepteurs et d'autres s'en occupèrent déjà. Bien sûr, les gars, je vais vous en dire plus, j'avais une pompe et une fusée à la maternelle. Si l'on se contente de gonfler cette fusée avec de l'air, elle volait sur une courte distance. Mais si l'on y ajoute de l'eau, parfois elle volait beaucoup plus haut. C'est-à-dire que déjà dans notre enfance, nous lancions des fusées dans l'espace, pas seulement vers les orbites proches. C'est très intéressant, où est passée une telle tradition On dirait que vous y avez participé dans votre enfance. Et maintenant, les Américains adorent ça. Chez nous, c'est comme si. On dirait que cela ne s'est jamais produit. Il y a 50 ans J'ai ri, la première fois. À 50 ans, d'avance. C'est juste que nous ne comprenons pas quelque chose. Tout le monde nous dit que vous êtes derrière, derrière. Non, les gars, je me souviens à quel point nous avons fait des progrès. Je suis maintenant si vieux. Quel âge as-tu Je ne me souviens plus. Eh bien, c'est vrai. Donc, maintenant, je veux ouvrir V-Contact. Mais tous ces commentaires vont encore disparaître. Voilà, n'est-ce pas Il y a également eu une rencontre non seulement avec euh, le directeur de l'usine dirigeable, mais aussi avec d'autres entreprises, avec des entreprises d'investissement. Et il y a eu une rencontre avec euh, Victor Arestov, une rencontre très sérieuse. Je vais donner un petit aperçu, une vidéo sortira bientôt. Il des projets très intéressants sont prévus. Au fait, savez-vous que Victor Arestov travaille en Chine avec Tupolev C'est un parent de notre légendaire Tupolev. Il travaille également dans le domaine des moteurs ainsi que des services et des équipements pour les taxis. Également. Des taxis comme ça sur roues Non, des taxis qui volent. Je pensais que Tupolev avait déménagé en Chine et qu'il travaillait dans un taxi en disant En fait, je. Oui, j'ai posé ces questions sur la possibilité d'utiliser des moteurs dans la construction de dirigeables. Oui, bien sûr, tout est possible. Oui, je peux raconter une fois pour ceux qui n'ont pas eu le temps de regarder. Voici Dimitri Sergeyevich Kmel qui donne des conseils sur Vénus. Il était à l'exposition de cette armée que nous avions où se trouvait Suvelmash. Il a échangé avec des spécialistes. Il dit qu'en général, à première vue, les moteurs sont intéressants. Et globalement écoénergétique, il est évident qu'il faut commencer par un cahier des charges plus précis. Il y a eu des échanges détaillés, mais pourquoi pas, comme on dit, pourquoi pas, bien. Voici, s'il vous plaît, notre premier projet sera peut-être en lien avec le second. Bien sûr, cela sera certainement bien sûr. Bien sûr, ça va arriver. Voici Fiodor qui dit bien sûr ça va arriver. Maintenant, je suis aussi euh, plus sûr de cela. Donc, YouTube ne s'ouvre pas, nous sommes sûrs. Wifi. Si Pacha, Yulia ou qui que ce soit qui nous regarde, vous pouvez copier les questions et les envoyer sur Telegram pour que je puisse les voir. Eh bien, en ce moment, il y avait une introduction avec une image de Kirjatch. En fait, nous avons commencé à filmer beaucoup de choses, toute une série de vidéos, à la fois expérimentales, et avec des matériaux, en vous familiarisant avec les gaz et divers autres systèmes technologiques. Et les tournages, concernant précisément les appareils stratosphériques, commencent bientôt. Ce que nous faisions alors avec Dimitri Sergeyevich Kmel, assis et racontant lors du webinaire. Extrêmement intéressant. Les lancements auront lieu ce mois-ci déjà. Tous les détails plus tard. C'est ce que nous voyons en ce moment, n'est-ce pas c'est ça, exactement ce que nous avons à Kirjatch. C'est génial. Oui, d'ailleurs, après notre voyage à Kirjatch, nous avons aussi reçu beaucoup d'appels et d'offres. Par exemple, ils ont là-bas un petit hangar. Regardez, nous avons là-bas d'énormes ateliers de l'ancienne usine. Il y a 100, 200, 300 mètres d'espace libre. Je pense qu'il n'y a pas de grands bâtiments dans le pays. Des informations ont commencé à arriver concernant des bâtiments de plus de 200 mètres, et les dimensions sont telles 45 mètres de large Intéressant. Il s'avère qu'on construisait de tels bâtiments dans le pays. On a construit, on a construit, j'ai déjà discuté. Tu as vu, quand tu roules, l'entrepôt de Valberts ou d'Ozon, ça fait déjà un kilomètre. Comment l'ont-ils assemblé C'est déjà assemblé avec de nouvelles technologies Il est bas, c'est clair, large en superficie. Eh bien, ils n'ont bien sûr pas besoin d'une telle hauteur. Oui, d'accord. André, tu n'as donc pas encore volé en dirigeable, c'est ça Alors, les gars, j'ai regardé aujourd'hui la présentation de Pavel, j'ai regardé ses petits cercles. Vous n'imaginez pas à quel point je lui enviais. Eh bien, nous avons beaucoup discuté avec le directeur qui souhaite s'occuper du tourisme. Et voilà comment je me l'imagine. C'est vraiment comme un bateau dans l'eau, n'est-ce pas Et l'air, c'est en fait vraiment la même substance. Mais plus raréfié. Et ce dirigeable, c'est vraiment un vaisseau pour les voyages. C'est un vaisseau pour les voyages dans les airs. Et quand Pavel naviguait aujourd'hui sur ce vaisseau, avec ses magnifiques lacs bleus en dessous, c'était fantastique. C'était fantastique. Je ne suis jamais monté ni en dirigeable, ni en. Non, pas en montgolfière. Je me souviens que la première fois, quand j'avais trois ans, nous avons pris l'avion en famille avec mes parents et j'ai crié dans toute la cabine Maman, comment allons-nous descendre En avion, c'est effrayant. Je comprends que dans un dirigeable, ce n'est pas du tout effrayant. C'est pourquoi je rêve. Maintenant, c'est mon rêve. Eh bien, elle est rapidement réalisable. Et j'ai tellement envie d'être sur le nôtre, et eh bien pas sur le personnel, mais sur celui que nous construirons. Oui, compte tenu de la difficulté actuelle d'obtenir, par exemple, un visa pour l'Allemagne afin d'y aller et d'essayer, peut-être que nous construirons réellement plus rapidement ici un dirigeable. Les gars, regardez notre slogan. Construire un dirigeable plus vite que d'obtenir un visa... Génial, non C'est un argot intéressant. Oui, mais ici... Tout le monde doit aussi comprendre que construire un dirigeable et le faire voler, c'est une chose. Tandis que faire en sorte que tout cela soit certifié, licencié, etc., c'est tout à fait autre chose. Le vent l'a emporté par accident en Allemagne ou là où nous devons aller. Je ne sais pas, mais il s'est simplement détaché par accident autour de ton Oblinsk et s'est envolé. Tu vas parler toi-même Ha 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 ha. Eh bien, aujourd'hui, nous avons une réunion très amusante. J'ai appris beaucoup d'informations aujourd'hui de la part de Fiodor, des choses nouvelles pour moi. C'est super. Oui, aujourd'hui, il y a un minimum de questions techniques. Lors du prochain webinaire vendredi, il y aura obligatoirement un spécialiste technique. Nous allons discuter en détail et en profondeur de la technologie elle-même et du domaine que la personne couvre dans cette direction spécifique. Vous comprendrez mieux comment cela fonctionne de manière plus détaillée et approfondie. Nous ferons une annonce quelque part au début de la semaine prochaine sur le sujet, afin que vous puissiez vous préparer avec toutes vos questions. Peut-être qu'une vidéo sur ce sujet sortira peut-être bientôt, nous verrons. Dans l'ensemble, le projet avance, vous le soutenez, vous venez, vous regardez, nous voyons les vues. Nos vidéos sur YouTube cartonnent. Une des vidéos a déjà 55 000 vues. Waouh! Génial! J'en Sur la nouvelle chaîne, il y a 1200 commentaires, et si on les lit, ils sont tous uniquement en soutien. Tout le monde dit que c'est génial, super, qu'il faut absolument le faire. Oui, nous avons des enregistrements quotidiens, bien sûr, nous avons des paiements quotidiens. Les gens soutiennent avec de l'argent, pas seulement avec un like, et c'est vraiment génial. Aujourd'hui, c'est le webinaire du vendredi. Tous ceux qui le regardent ont déjà soutenu. Le projet est en développement. À partir de ce mois-ci, tous les ingénieurs seront déjà embauchés dans notre entreprise. Nous allons nous réunir, ce processus touche pratiquement à sa conclusion logique. Nous nous rassemblerons dans un même bureau et nous organiserons un grand webinaire à partir de là où vous verrez tous comment cela sera organisé, qui est responsable de quoi. Nous commençons déjà à montrer progressivement tout cela. Le vendredi. Il y a encore beaucoup de questions à régler, bien sûr. Aujourd'hui, ici, je vous présente l'une de ces nouvelles fascinantes et intéressantes. Les gars, les hommes, partenaires, vous vous souvenez, à la conférence du 7, Sergei a pris la parole. Il a dit, oui, nous nous occupons des écoles de pilotage. Sergei a envoyé un message. Ils ont enfin reçu le certificat attestant que leur école est maintenant officiellement licenciée. Ce n'est pas sa première école, mais c'est celle qu'ils ont récemment mise en place et créée. C'est une école privée de formation de pilotes. Il dit qu'il est prêt à créer une méthodologie et des supports pédagogiques sur la base de cette école, former le personnel pour les dirigeables, les pilotes, les techniciens. Concernant la question de savoir si nous allons rattraper la Chine, ou peut-être que nous n'avons même pas besoin de le rattraper, ce que Fiodor raconte actuellement, ils sont encore en train de le certifier, nous, nous l'avons déjà. Oui, et voilà que Sergei a envoyé ses scans, ses tableaux, il dit que c'est bon, inscrivez-vous sur la liste d'attente pour la formation. Classe. Euh... Voici de bonnes nouvelles, tout de suite. Super. Oui, il y a aussi euh, beaucoup de propositions de coopération en ce qui concerne l'aménagement des espaces de production, c'est-à-dire où regrouper tous ces processus technologiques. Et c'est ainsi que nous choisissons encore réellement quel type de partenariat il y aura avec la Terre, soit un bail, soit un achat. Je pense que la semaine prochaine, nous allons déjà nous y retrouver, pour ainsi dire. Nous allons jouer cette partie jusqu'à la fin et comprendre ce qu'il en est. Et qu'est-ce qui est ce mieux Il est bien sûr préférable d'acheter son propre terrain. Il t'appartient et tu es le maître chez toi. Mais pour le projet, c'est idéal lorsqu'il existe déjà un aérodrome opérationnel où toutes les autorisations de vol sont en place. Il y a une zone de vol et tous les contrats avec les administrations sont en règle. Tout le monde sait que c'est un aérodrome. On dirait le début. Oui, venir vers eux et dire, les gars, vous êtes ici, faire quelque chose Ils répondent, oui, nous faisons. Et voulez-vous qu'un dirigeable vole sur votre territoire Nous entrons simplement en partenariat, ils nous accueillent dans leur entreprise et nous les prenons en partenariat et personne ne paie rien à personne, en quelque sorte, pour eux, c'est un point d'attraction, ce sont des investissements et ainsi de suite, c'est aussi un développement. Pour eux, c'est publicité et pour nous, c'est une opportunité. En fait, c'est tout simplement incroyable, quelles opportunités formidables. Si dans ta ville aérienne commence à construire des hangars modernes et à faire décoller des dirigeables, ta ville aérienne devient soudainement le centre d'attraction de tout, il y a des investissements, du tourisme et de l'attention de toutes parts. C'est pourquoi il y a tant d'offres encore de plus. Donc ça va marcher. De toute façon, j'ai compris qu'il y a déjà beaucoup d'offres. Oui, oui, vraiment beaucoup. Et aujourd'hui, encore une fois, il y en a eu de nouveaux, et nous pensons quand même, bon... Il faut atterrir, n'est-ce pas Oui, il faut déjà choisir quelque chose. En réalité, nous ne sommes pas pressés. Nous n'avons pas de délai strict. Si nous ne choisissons pas dans un mois, tout ne sera pas perdu. Rien ne sera perdu. Ni notre terre, ni nos bureaux ne vont s'enfuir. En général, il arrive que ce qui t'appartient finisse par te revenir. De toute façon, l'essentiel est que tout le monde se sente à l'aise, n'y ait pas de tension pendant ces. Tu sais, quand on a choisi dans la précipitation, dans le brouhaha, on a trois options. Prenons celle-ci. C'est un mauvais choix. Un bon choix, c'est quand tu as ces trois options. Tu les as là. Moi, je ne les veux pas. Elles viennent quand même vers toi. Tu es là, non, pas besoin. Elles reviennent encore et tu es là. Bon, d'accord, réfléchissons. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de précipitation, ils ne disparaissent nulle part, ce n'est pas une solution temporaire, pas une décision prise, à la hâte, et donc, oui, tant que nous sommes encore au tout début, nous avons décidé d'examiner ces questions. De manière plus détaillée, pour voir ce qui se passe en général, plus nous prenons le temps de regarder autour de nous, meilleures sont les propositions qui apparaissent. Je me souviens de la façon dont Dimitri Alexandrovitch choisissait Ce n'était pas rapide l'endroit où nous construisions. Tout cela se faisait de manière très méthodique. Oui, tout cela a été fait, complètement. Ici, nous avons... Un peu plus simple. Ici, c'est plus simple. Oui, c'est plus simple avec les dirigeables. Il n'y a pas tant d'aéroports et les conditions sont si différentes que le choix se résume à deux ou trois. Il ne reste plus qu'un petit peu. Il existe des zones économiques spéciales. Beaucoup de gens se demandent pourquoi ne pas être dans une zone économique spéciale. Il existe une zone économique spéciale à Riazan, un cluster aéronautique qui a été créé. On peut enregistrer une entreprise en tant que personne morale, c'est-à-dire une entité juridique distincte, pour bénéficier d'avantages fiscaux et d'autres choses. Pourquoi pas Mais ce n'est pas le principal dans ce projet. Parce que les allègements fiscaux et autres préférences, c'est bien quand, comme tu le dis, ta marge n'est pas si grande. En fait, Vraiment Nous produisons des moteurs, c'est important. Avoir un amour fiscal. C'est très important, et alors tu as un bon profit. Comme tu as bien parlé récemment, avec une personne très impressionnante, il dit que la marge bénéficiaire des entreprises non étatiques est telle que. Oui, il a dit que nous paierons autant de taxes qu'il le faut. Il en restera encore beaucoup, une fois, cela concerne la vente. Les conditions d'exploitation y sont différentes. Une entreprise d'exploitation peut être enregistrée dans une zone économique spéciale. Voyons. Dites-moi, peut-on s'enregistrer dans une zone économique spéciale là-bas pour y faire quelque chose Voyons voir, nos connaissances sont entrées dans la zone économique spéciale de Riazan. Nous communiquons avec eux. La zone est assez jeune. Il faut tout de même s'y pencher. Regardez, il n'y a pas que des avantages, il y a aussi des inconvénients. Pour l'instant, nous voyons naturellement plus d'avantages, nous ne sommes pas pressés sur ces questions, mais nous précipitons sur les questions de lancement d'appareils dans la stratosphère. Ce mois-ci, attendez-vous à ce que se produise Le lancement sera-t-il possible Oui, ce n'est pas difficile pour nous. Les lancements d'appareils dans la stratosphère, c'est un hobby. Incroyable. Oui, les personnes qui s'occupent de la mise en œuvre du projet d'État. C'est incroyable, quand j'ai dit en Chine nous pouvions lancer la stratosphère, ils étaient stupéfaits. Eh bien, ils sont vraiment fous, et quelqu'un là-bas en Chine lance aussi quelque chose, après tout, quelque chose a atteint l'Amérique, il y avait une sorte de ballon qui a alors fait du bruit, et a causé un tollé. Eh bien, ce n'est pas comme quand j'étais un gamin, où nous lancions des ballons météorologiques, tu sais. Les ballons météorologiques te sont la variante la plus basique. Il s'agit de prendre un ballon météorologique en latex et de le remplir d'hydrogène. Attaché à cela un système avec un parachute et une certaine charge, il s'élèvera en 4 heures jusqu'à la hauteur où il explosera et il descendra avec un parachute équipé d'un balise. C'est une chose banale que tout le monde peut faire. Oui, je me souviens, quand nous étions enfants, nous cherchions ces choses qui tombaient. Il ne s'agit pas d'un tel discours. Ici, il était question de vol contrôlé, de long vol, avec transmission en direct avec le suivi via l'application Solar Group, où l'appareil se trouve actuellement dans la stratosphère, avec la réception des données de celui-ci. Ce n'est plus un jouet comme ce météorologue, mais avec de tels jouets, on réalise des lancements très intéressants. Ils ne prennent pas une seule boule, mais une grappe entière de ces boules. En bas, il y a fauteuil, tu es en scaphandre avec un parachute. J'ai vu une vidéo comme ça quelque part, peut-être. Euh... Tu vas sauter Non Ah, oh, je vais, je vais, je vais, je vais sûrement. D'abord, la première chose, non. J'ai toujours rêvé de sauter en parachute. J'ai servi dans l'aviation pendant mon service militaire. Tu sautais Eh bien, ils n'ont pas raté à cause de la vue. J'ai compris. Je parle du fait que les météorologiques peuvent être une chose banale. Mais peut aussi être une opération spéciale complexe pour le lancement d'un parachutiste qui sautera de la stratosphère. Et maintenant, il semble que Koniukov veuille sauter. Je ne me souviens pas exactement, mais c'est pour quelqu'un. L'opération est actuellement en cours de réflexion dans notre pays. Nous allons également tout filmer à ce sujet, montrer et raconter qui s'en occupe. En gros, ce sera amusant et intéressant. Voilà. Quoi des questions sont arrivées chez nous? Oui, mais il y en a un peu. Dites-moi, êtes-vous satisfait du montant des investissements actuellement Est-ce que cela suffit pour tout Oui. Pour les premiers mouvements nécessaires, les investissements sont suffisants. Le rythme pour le lancement du projet est bon Il est clair que pour un déploiement à grande échelle, il faut, et bien avec la même dynamique, si les revenus sous forme de paiement échelonnés continuent d'augmenter chaque mois et que ce sont les revenus principaux, alors dans quelques mois, nous atteindrons de bons rythmes, et cela sera certainement suffisant. En résumé, oui, c'est absolument suffisant. Évidemment, c'est clair. La nouvelle entreprise est déjà enregistrée. Ainsi, la personne morale sous la marque Nova existe déjà Elle est déjà enregistrée La marque Nova, que je viens de vous mentionner par accident, est en cours d'enregistrement. S'il vous plaît, ne l'enregistrez pas à l'avance, afin que nous ne devions pas la revendre ensuite. Combien d'années faut réellement pour se former en tant que pilote de dirigeable Je sais exactement ce qui est réel. Oui, ça a l'air super. Notre aéroport. Oui, on peut apprendre. Je ne sais pas combien. Je peux préciser ou demander à Sergei, s'il regarde notre webinaire en ce moment, d'écrire dans le chat, ou je lui demanderai directement et je lui écrirai un peu plus tard. Il est probablement plus simple d'ouvrir Google et de voir combien de temps dure la formation pour devenir pilote d'avion privé. C'est à peu près la même durée. Je pense que c'est un an là-bas. Ou même plus rapidement, c'est probablement le cas. Et quoi qu'il en soit, nous allons tous devoir apprendre. Et j'y participerai personnellement à cette formation. Et André, j'en suis sûr. C'est sûr à 100%, je vais aller étudier, n'est-ce pas Je n'aime pas étudier. Oui, c'est simplement une nécessité. Si nous avons des dirigeables, plus nous aurons de pilotes et de personnes qui s'y connaissent, mieux ce sera. Entre Ékaterinburg et sa banlieue, Aramil jusqu'à l'aéroport. Peut-être qu'il serait bon d'y établir une base de dirigeables Oui, ici la question concerne la base. Elle ne sera pas unique, c'est certain. Nous allons commencer par quelque chose. Nous choisissons donc les positions de départ afin que cela soit le plus efficace possible, le moins cher, rapide, sûr et ainsi de suite. Mais dès que cette cellule de MVP initiale sera créée, la société mère sera commercialement réussie, autonome, avec des dividendes et autres. À partir de ce moment, nous allons construire des dirigeables drômes partout, car c'est une nécessité dans chaque région. Récemment, Vitaly de l'Altaï a également écrit dans le chat qu'ils ont vraiment besoin de dirigeables là-bas car ils souhaitent développer précisément le secteur touristique dans leur région. Le flux touristique a en effet considérablement augmenté ces derniers temps, et ils disent que nous avons besoin de dirigeables pour le tourisme, nous les aménagerons. Dans le style Altaï, ils seront multinationaux. J'ai pensé à quel point notre pays est multinational. Imaginez là-bas, vole cette énorme machine tout ornée de motifs nationaux. Oui, et quand on entre, on trouve une ambiance avec la cuisine locale et la musique locale. C'est très méga cool. Oui, ensuite, il y aura une exposition de tous les dirigeables de toutes les régions de Russie. Comment se déroulent ces vols de ballons en Turquie À quel point c'est beau Nous avons la chance de faire la même chose avec des dirigeables. Le pays est immense. Je pense vraiment que voyager à travers notre pays est possible uniquement en dirigeable. Eh bien, prenons la plaque de Poutaran, d'accord Qui était à la plaque de Poutaran Il y avait quelques personnes là-bas. Auparavant, pour y accéder en hélicoptère, il fallait soumettre une demande à l'Institut à Saint-Pétersbourg, et ensuite, arriver en hélicoptère. Mes connaissances sont arrivées pour vingt minutes, quelqu'un s'est cassé la jambe là-bas, et ils sont immédiatement repartis. Eh bien, quand tu demandes, les gars, qu'est-ce que c'est Là-bas, ils disent, mais c'est l'espace, c'est un endroit que personne n'a dans le monde. Là-bas, il y a de l'eau, là-bas, il y a des lacs, là-bas, il y a des réserves. Eh bien, dans le monde, il n'y a pas de réserve d'eau comme sur le plateau de Putorana, n'est-ce pas Ces falaises basaltiques, ces montagnes. Sur quoi va-t-on voler là-bas Imaginez, il y a quatre ou cinq dirigeables qui survolent cette plaque. On ne pourra pas voir à quel point c'est énorme. C'est probablement plus grand que la France. Voilà. Et il y a énormément d'endroits comme ça en Russie. Voilà. Et voyager en dirigeable, je pense que dans un but pacifique, utiliser des dirigeables, c'est bien sûr du tourisme. Voilà. C'est la première chose qui me vient à l'esprit. Eh bien c'est vrai, après tout, cette quête d'argent, c'est compréhensible. Le commerce et tout ça, c'est une chose, mais faire quelque chose pour l'âme, quelque chose... C'est donc vraiment plus rapide. Euh... Quand on me dit, André, il faut vraiment faire ça, je le fais à une certaine rapidité, mais quand on me dit qu'il faut absolument le faire, et que j'en ai vraiment envie, je le fais quatre fois plus vite. C'est pourquoi. J'ai vraiment envie de faire ça en ce moment. Je pense que cela ira vite. Et très nombreuses personnes, quand elles verront comment nous avançons, rejoindront certainement, absolument, sans aucun doute nos rangs, des rêveurs, des artistes, les meilleurs concepteurs du monde, des physiciens, des mathématiciens. La société dirigeable rassemblera le meilleur. Alors, voici d'autres questions qui viennent probablement de YouTube. Peut-on par exemple lancer des satellites depuis un dirigeable stratosphérique Oui, il est possible de lancer des satellites légers. Depuis un dirigeable stratosphérique, ce sera comme une plateforme intermédiaire. Il va y monter, lâcher une fusée à propergol solide légère pour que le satellite s'envole dans l'espace. Il faut l'accélérer à une certaine vitesse linéaire, sous un certain angle alors il atteindra une orbite spécifique. Un accélérateur pour le satellite est toujours nécessaire sous forme de fusée mais il décollera déjà depuis la stratosphère, et de telles technologies ont déjà été étudiées, bien sûr, et oui, c'est réalisable. Si nécessaire, le dirigeable stratosphérique est déjà un satellite complet Il peut transporter le même équipement et faire la même tâche, mais si c'est un orbital qui est requis, alors la réponse est oui, c'est possible Bonjour, première fois que j'entends parler d'un business avec des dirigeables, les autorisations dans l'espace aérien, problématique, et quel pourcentage est prévu pour cela Existe-t-il des calculs si nous prenons un aérodrome déjà préparé, qu'il s'agisse d'un terrain d'aviation ou d'un terrain d'aviation expérimental, toutes les autorisations sont déjà en place et il suffit de s'accorder avec la tour de contrôle la plus proche, presque la nôtre, pour que nous décollions. Et c'est parti aussi. Aucune autorisation n'est nécessaire pour cela. Si nous prenons de nouvelles terres agricoles et les affectons, à un usage approprié, c'est là que commencent toutes ces autorisations. C'est long, coûteux et pénible. Et alors, une valeur tangible apparaît pour toutes ces opérations. C'est pourquoi nous recherchons précisément des terres déjà prêtes pour les vols. Il y en a beaucoup. C'est exactement cet argent que nous allons économiser. Et du temps, en fait, y a-t-il des calculs Oui, précisément. Nous essaierons d'éviter et de comprendre pourquoi les voir et les montrer. Pour l'instant, cela n'a pas de sens. En fait, voilà. Si l'hydrogène est sûr, on peut y lancer un aérostat, puis ajouter des gondoles sur un dirigeable à hélium, et le remplacer par un dirigeable à hydrogène. Oui, c'est possible. Comme ça, je pense que c'est faisable. C'est une idée intéressante. Je ne sais pas dans quelle mesure elle est techniquement réalisable. Il est évident que tout doit être calculé planifier et ainsi de suite et tout cela est correct une logique dans le raisonnement le fait que l'hydrogène en s'élevant de la stratosphère de l'appareil décolle aussi ici il y a de l'oxygène donc c'est quand même dangereux c'est pourquoi tu lances des engins sans pilote depuis ici il est parti là-bas et toi tu voles vers lui avec de l'hélium et à un moment donné tu te transformes en lui combinaison très complexe oui c'est plus simple de voler avec de l'hélium une fois que l'on est monté alors continue à voler comme je le dis, nous vivons à une époque incroyable, des gens volent sur la station spatiale internationale, des rovers explorent les planètes, Elon Musk prévoit de coloniser Mars, donc d'un point de vue ingénierie et technique, nous réalisons tout. Si cela est certainement judicieux et que les objectifs peuvent être choisis librement, alors oui, absolument tout est possible. Alors. Pourquoi un dirigeable a-t-il donc de si grandes ailes arrière Je ne sais pas cela. Pour la beauté Non, ce n'est pas pour la beauté, mais bien pour la gestion. Mais c'est tout de même calculé ce n'est pas fait au hasard. Il y a une certaine vitesse pour le dirigeable et un flux d'air. L'entour, certainement environnant, il a sa propre masse, ses centres, ses applications de force. Et ainsi de suite. Et donc, si l'on redirige une partie d'un flux là-bas, un effort apparaît à un endroit précis et l'appareil est alors contrôlé correctement. Et donc, en calculant pour simplifier quelle partie du flux d'air doit être redirigée pour que toute cette structure, disons, se déplace dans une certaine direction, on obtient cette surface. C'est simplement le fait que cela s'est produit parce que c'est calculé, c'est pourquoi c'est si grand. Il y en a plusieurs. Les ailes sont responsables de beaucoup de choses. Elles gèrent les virages et le roulis. Ils portent de nombreuses fonctions. Nous pourrons en parler séparément plus tard avec les personnes qui s'occupent précisément des calculs de dynamique de vol afin qu'elles expliquent en détail ce dont est responsable la queue de l'appareil. Peut-être se divisent-elles aussi en supérieure et inférieure. Là, la queue est comme coupée en deux. Les gouvernails, les ailes et d'autres détails en parleront en fait. C'est bien d'ailleurs. Il faut appeler des dynamistes, des calculateurs, qu'ils expliquent à pourquoi c'est si énorme. Je ne pensais pas du tout que de telles questions pouvaient exister. Ce sont des questions techniques. Les gens sont intéressés. Peut-être que tu es allé en Chine, tu ne l'as simplement pas remarqué. Nous avons organisé plusieurs webinaires techniques où des spécialistes en certification étaient au présent. Je suis simplement absolument étonné. Nulle part dans le monde, lorsque l'on lance un projet, tout se passe dans un tel engouement. Mais ces aspects techniques n'intéressent vraiment que les Russes. Absolument. La spécificité de notre esprit, c'est que lorsque nous faisons quelque chose, nous devons vraiment creuser jusqu'au fond des choses comment ces molécules se déplacent-elles dans l'hélium Il y aura probablement aussi ce genre de questions. Quand on veut les mélanger avec de l'hydrogène, il faut comprendre comment tout cela va se déplacer. Déjà probablement, oui, il y avait des questions. En réalité, notre pays en parle peu. Elle est tout de même aérospatiale. On ne peut pas l'appeler autrement là-bas. Nous avons un état d'hélicoptère, un état spatial, et auparavant tout allait bien avec les avions. Et avec les chasseurs, en général, ça va plutôt bien maintenant. Nous avons construit nos propres dirigeables. Ils existaient dans l'Empire russe, dans l'Union soviétique et dans la Russie moderne, et ils existeront parce que nous les construisons. Et nous avons formé beaucoup d'ingénieurs dans tous les domaines de l'aviation, les thématiques, etc. En résumé, un pays tourné vers le ciel, mégas esprit. Bien que beaucoup soient partis. Il nous reste encore beaucoup de personnes intelligentes, élevées, démarrées. Oui, la jeune génération est vraiment encourageante en ce moment. J'ai un frère cadet. J'ai regardé ce qu'il pense, comment il communique, où il vise. Ils sont très rationnels, ils aiment la science. Regardez tous ces médaillés, mathématiciens, chimistes, physiciens. Ce sont des écoliers russes, des joueurs d'échecs. Comme tu l'as justement remarqué, un pays connaît des périodes de déclin et des périodes de prospérité, et on peut. Un potentiel immense Oui, on peut dire que nous sommes actuellement en plein essor. Absolument. En gros, qu'est-ce qu'on a discuté Eh, nous avons bien discuté. Nous avons échangé. Ils ont raconté, oui. Dis-moi, quels sont les projets futurs concernant la Chine Que pense le directeur Attend-il quelque chose de notre part les gars, oui, le directeur attend notre réponse. Concernant la collaboration, tout d'abord, ils ont besoin d'argent. Ils demandent de l'argent, ils demandent des mathématiciens, ils demandent des physiciens. J'ai compris que même lorsqu'ils passeront la certification, ils n'ont pas en fait de concepteurs et de personnes vraiment comme nous. Ils veulent les obtenir. Et à toutes les réunions, cette question a été soulevée. La question des personnes, la question des cerveaux, appelons cela ainsi, à toutes les réunions, à un niveau élevé, ainsi qu'avec des fonctionnaires. De manière générale, partout dans chaque province, ils ont en effet leur propre gouvernement qui est très jaloux, prêt à sponsoriser et à aider, mais seulement s'il y a des régalias de plus et encore plus. Je ne sais pas si je raconte cela pour rien parce que peut-être qu'il y aura une fuite des cerveaux. Qu'en penses-tu vraiment En Chine Oui, je pense que non, ça ne se fera pas. Pourquoi Tout se passe pour le mieux chez nous. Les ingénieurs et les dirigeables avaient naturellement des idées pour déménager quelque part, afin de réaliser leur développement, leurs projets et leurs rêves. Mais nous avons lancé le projet et ils sont très contents et heureux que le mouvement ait commencé en Russie. Je pense qu'à présent, même à l'étranger, ils viendront vers nous quand ils verront notre dynamique. Nous allons leur prendre des cerveaux. C'est super, bien sûr. Bien sûr. Il faut déjà penser par soi-même, déjà. Eh bien, je ne sais même pas quelle aide sera vraiment apportée à nos amis chinois actuels. Je ne peux pas faire de suppositions actuellement. Eh bien, ce n'est plus vraiment ma question. J'ai objectivement tout raconté. Beaucoup d'enregistrements, beaucoup de matériel, beaucoup de rencontres. Mais je ne sais pas vraiment comment nous nous comporterons avec l'entreprise qui produira des dirigeables en Chine, en effet. Mais le fait que nous soyons des partenaires, c'est certain. Nous touchons à des thèmes communs. Collègues aérostiers, au minimum. Au minimum, au moins. Oui amis, nous devons conclure le webinaire. Nous avons encore une fois presque atteint deux heures, mais aujourd'hui nous ne les avons pas dépassées. C'est déjà merveilleux. Aujourd'hui c'est vendredi. Il est certain que beaucoup d'entre vous souhaitent déjà se détendre, respirer et aller se reposer. La seule chose que je voulais, c'était de vous mettre un peu plus sous pression. Aimez, faites des partages, choisissez les meilleures vidéos, la meilleure nouvelle. Envoyez cela à un ami, une amie, à votre mère, à votre père il suffit de partager cette information il est très vraiment très vraiment très important pour nous qu'elle se propage après tout c'est un projet populaire financé par le peuple envoyez le lien de parrainage depuis votre compte aussi très important j'aime l'histoire de sergueï semionov dans les projets précédents j'ai compris pour la première fois ce qu'est la force d'un simple riposte j'ai placé euh, sur mon mur VK une de mes liens de parrainage avec une description détaillée du projet. Et en un seul clic, une connaissance à lui a construit une structure vraiment incroyablement incroyable qui a énormément aidé le projet. C'est-à-dire qu'il a simplement informé son amie qu'il y avait un projet et elle s'est simplement impliquée. Il ne s'attendait pas à ce que cela puisse arriver. Il a construit une telle structure, attiré autant d'investissements. Et le projet a avancé, donc il ne faut pas sous-estimer ce simple mouvement. S'il vous plaît, aidez-moi, c'est très important. D'accord, les gars. En gros, quoi C'est génial. Pachka a volé en dirigeable avec Ivan et J'en vis beaucoup la vie. André est revenu de Chine. Nous, ici en Russie, creusons la terre. Donc, nous avançons ensemble avec vous. Attendez-vous à des nouvelles intéressantes. Merci à tous, au revoir à tous. Merci à tous, les amis. C'est super.